Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans ce 100% exceptionnel, plein de lyrisme et d'amour, puisque nous retrouverons la critique de Kirby, Mass Attack, la minute du geek consacrée à John Romero, la rubrique smartphone, auto, et des news pleines d'amour et de lyrisme. Ah. La suite de Soul Calibur est attendue pour février 2012. Mais plutôt que de diffuser une vidéo de gameplay, Namco a choisi de présenter un des modes dont il est particulièrement fier. Car tout comme le précédent volet, Soul Calibur 5 inclura un système de création de personnages. Il sera en effet possible de créer son propre avatar et de le personnaliser de façon assez libre via les nombreux outils que le jeu propose. Entre le choix de la taille, de la couleur, de la corpulence ou encore des motifs, Namco annonce que cette fonctionnalité sera encore plus développée que dans Soul Calibur 4 et qu'elle permettra de créer des combattants au look unique ou tout simplement bizarre. En tout cas, la vidéo montre discrètement qu'il est possible de changer la taille de bonnet des personnages féminins, de quoi donner de mauvaises idées aux plus espiègles d'entre vous. Le jeu de cuisine qui s'était fait connaître sur les consoles de Nintendo sera bientôt de retour, et ça se passera cette fois-ci sur 3DS. On trouvera au menu de ce Cooking Mama des centaines de challenges à relever et une soixantaine de recettes à exécuter. En plus de vous apprendre à cuisiner de façon marrante, le jeu mettra à profit les fonctionnalités de la 3DS, comme la gyroscopie et la 3D relief, pour casser des œufs ou faire sauter des aliments à la poêle par exemple. Cooking Mama 4 Kitchen Magics est toujours prévu pour le 25 novembre prochain. Le tourisme est plutôt morose au Japon depuis l'accident de Fukushima. C'est un peu la catastrophe pour de nombreux secteurs du voyage et de l'hôtellerie qui n'arrivent plus à survivre, la fréquentation ayant brutalement chuté de moitié. C'est pour cela que l'Office national du tourisme japonais souhaite offrir 10 000 billets d'avion à des étrangers pour les inciter à venir visiter le pays. Si le budget de ce projet est validé par l'État, il suffira de s'inscrire sur un site et, en cas de candidature retenue, de faire un compte-rendu de son voyage pour inciter ses compatriotes à visiter le Japon. À l'instar de Michael Jackson, les Black Eyed Peas ont maintenant leur expérience sur console. Surfant sur la vague des Just Dance 3 et autres Dance Central 2, The Black Eyed Peas Experience vous invite à bouger sur les plus grands titres de ce groupe qui génèrent des cartons systématiques. Mais il ne suffit pas de vendre des millions de disques et d'être bien dans son temps pour réussir dans le jeu vidéo. Car outre cette tracklist plutôt efficace sur un certain public, le jeu ne propose rien d'aussi enthousiasmant que ses principaux concurrents. Avec Kinect, on se contente ici de reproduire maladroitement les pas de Fergie et autres Will.i.am, avec une reconnaissance des mouvements très aléatoire et des modes de jeu moyennement intéressants. Un jeu plutôt médiocre donc, qui risque d'être un des premiers échecs commerciaux du groupe depuis plusieurs années. Eh oui, à l'approche des fêtes de fin d'année, Kirby nous revient enfin, décliné à la fois sur DS et sur Wii. Et sur DS, il lui arrive des choses terribles, puisqu'il a été divisé en 10 clones. Ce qui est beaucoup plus pratique que divisé en cyclone, puisqu'un cyclone qui traverse votre DS en 3D en plus, ça aurait pu mettre le bordel dans votre petite chambre. Flamboyante durant toute son existence, la DS de Nintendo s'apprête à quitter le marché dans l'anonymat le plus total. Une situation qui nous attriste franchement et que ni Mario ni Link ne pourront changer, ces derniers étant déjà bien trop occupés à assurer les Noëls de la 3DS et de la Wii. En lieu et place de ces deux héros les plus célèbres, Nintendo s'en remet au modeste Kirby avec Kirby Mass Attack pour refermer avec panache le glorieux septennat de sa console portable. Un choix qui rend les au revoir forcément discrets compte tenu de la faible aura de la boule rose créée par Sakurai Masahiro. Mais un choix parfaitement approprié au final, tant avec ce héros les développeurs peuvent se lâcher pour tenter de nous offrir une sortie en apothéose. Voyons si c'est le cas, la DS mérite bien ça. Alors qu'il piquait un petit roupillon pépère sur les îles de Popopo, Kirby a pour une énième fois été victime d'une drôle de mésaventure. Necrodeus, le chef des Kranos, fit irruption pour plonger le monde dans les ténèbres. Afin de neutraliser notre héros, il lui jeta un terrible sort qui divisa notre adorable boule rose en 10 petits Kirby. Forcément affaiblis, ils se firent éliminer tour à tour jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Et alors que tout semblait perdu, l'attention de l'ultime Kirby a été attirée par une étoile. Une étoile spéciale, puisque c'est en elle que son cœur a trouvé refuge. Plutôt que de se laisser mourir, Kirby se releva et se laissa guider par celle-ci pour aller sauver une nouvelle fois le monde. Cette étoile qui guide Kirby, c'est bien entendu le stylet de la console.
Comme d'habitude avec la boule rose de HAL Laboratory, l'histoire n'a pas fait l'objet d'une attention particulière. Et si on s'est donné la peine de vous la raconter, c'est uniquement parce que celle-ci a un impact direct sur le gameplay, comme dans le cas de Kirby au fil de l'aventure. Kirby Mass Attack renoue donc avec une prise en main entièrement tactile, qui nous demande juste de pointer l'écran pour que notre héros se dirige irrémédiablement vers l'étoile que l'on a fait apparaître. Un bref coup de stylet en partant de Kirby pour bondir, deux tapes rapides en gardant une pression continue sur l'écran pour courir, un maintien prolongé sur les Kirby pour les transporter dans une sorte de bulle. Voilà en gros les mouvements basiques que l'on peut accomplir. Divisé en 10 petites répliques de lui-même, Kirby ne peut plus aspirer ni déglutir les ennemis pour leur piquer leur pouvoir. Pour en venir à bout, il doit y aller à l'ancienne, comme un bonhomme, à la seule force de ses poings. Et s'il n'arrivera pas à grand-chose seul, avec ses 9 autres copains, ce n'est plus la même histoire. Si vous avez été attentif au résumé du scénario de Kirby Mass Attack, vous aurez noté que l'on débute avec un seul et unique héros. Pour retrouver tous ses petits bouts de lui-même, il devra manger encore et encore des fruits, et une petite boule rose supplémentaire apparaissant à chaque fois que la jauge dédiée atteint les 100 points. Outre les combats, disposer de plusieurs Kirby est capital pour une bonne progression dans l'aventure. En effet, chaque niveau requiert un nombre de Kirby minimum pour être accessible, tout comme certains mécanismes pour leur bon fonctionnement. Enfin, chaque Kirby représente en quelque sorte une portion de barre de vie. Tant qu'il en reste au moins un, la partie continue. Le jeu n'étant pas bien dur avant ses ultimes niveaux, les game over se feront rares. D'autant plus qu'avant de disparaître totalement, un Kirby est d'abord blessé. Cet état est alors symbolisé par la couleur bleue. Si l'on n'a pas pu le soigner en traversant un anneau de guérison et qu'il reçoit un deuxième coup, il commencera alors à s'envoler vers les cieux. Rien de définitif toutefois, car avant qu'il ne disparaisse de l'écran, un autre Kirby peut le rattraper pour le ramener à la vie. Généralement, on se déplace donc avec toute une petite colonie. Et si la profusion de sprites à l'écran pouvait nous faire craindre quelques couacs dans la prise en main et la lisibilité de l'action, force est de constater que les développeurs ont fait un excellent boulot. Les graphismes soignés et colorés sont suffisamment précis pour que l'on s'y retrouve, tandis que les coups de stylet répondent au doigt et à l'œil. La seule chose que l'on pourra reprocher concerne la caméra, qui ne suit pas toujours bien l'action, notamment quand des Kirby sont à la traîne. Comme d'habitude dans la série, Kirby Mass Attack est assez court et facile à terminer en ligne droite. La performance n'épatera personne et c'est pourquoi on vous encourage vivement à le retourner dans tous les sens. Le jeu saura vous le rendre. Récupérer des médailles permet par exemple de débloquer une petite tripotée de bonus, comme des mini-jeux de tap-top, de flipper, de course, un 6 mini RPG et même un shoot. Mais en plus de cela, c'est uniquement de cette manière que vous aurez accès à la totalité de l'aventure. En effet, en plus des 4 mondes principaux composés d'une dizaine d'étapes chacun, un cinquième, plus réduit, se débloque pour les joueurs qui auront pris le temps de récupérer toutes les médailles arc-en-ciel. Pour les plus persévérants, on notera même la présence de 35 défis à relever, façon succès trophée. Bien sûr, cela demandera de recommencer certains niveaux à plusieurs reprises, mais il s'agit d'une moindre peine tant Kirby Mass Attack se montre inventif et généreux. Déjà ultra plaisant à parcourir, il en devient complètement jubilatoire grâce aux multiples embranchements de son level design, sa variété et sa bonne humeur contagieuse. Mais inutile d'en dire trop, cette critique abondamment illustrée s'est déjà chargée de vous offrir un petit aperçu des innombrables situations imaginées par les gars de HAL Laboratory. Fatalement, les consoles disparaissent lentement dans une indifférence généralisée, éclipsée peu à peu par les derniers hardware à la mode. Comme toutes celles parties avant elles, la DS n'y échappera pas. Mais avant de passer définitivement le témoin, la petite console bi-écran s'offre une ultime fulgurance avec Kirby Mass Attack. L'occasion pour elle de briller une dernière fois dans un condensé de savoir-faire made in Nintendo et HAL Laboratory. Trop choupi pour être considéré aux yeux de certains, Kirby mériterait pourtant que tout le monde se penche sur son cas. Ceux qui se donneront cette peine trouveront ici un grand jeu de plateforme bourré d'idées, d'une générosité beaucoup trop rare, maîtrisé quasiment de bout en bout, long d'une grosse quinzaine d'heures et enrobé d'une bande-son qui file la pêche. Véritable éloge à la joie de vivre, Kirby Mass Attack est de ces jeux qui filent la banane et que l'on savoure comme un gamin le lendemain de Noël. Un moment de lyrisme et de poésie avec la Minute du Geek. C'est vrai que Julien Pirou et moi avons une grande histoire, mais qui est obligée de rester platonique, vu que jamais ma famille n'acceptera un roux en son sein. Alors c'est pour ça que quand je le vois en bas de mon balcon, je lui dis « Julien, pourquoi es-tu Romero, mon Romero ?»
Tout ça parce que la Minute du Geek est consacrée à John Romero. Voilà. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! John Romero est un nom qui a fait couler beaucoup d'encre et reste l'un des plus sulfureux du monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, on a surtout gardé de Romero l'image du développeur diva, rendu riche par ses jeux et se complaisant dans tous les excès tel une rockstar. Mais il ne faudrait pas oublier tout ce que l'on doit à ce game designer né dans le Colorado. Romero fonde sa première société en 1984 à 17 ans. Il passe ensuite 8 ans à auto-éditer ses propres jeux avant de rejoindre Origin Systems. Il travaille notamment sur Space Rogue, le RPG simulation spatiale de Paul Neuras. Impressionné par les talents de Romero, Neuras propose à Romero de rejoindre sa nouvelle société, Blue Sky Software, qui deviendra par la suite Looking Glass Studios. Romero décline l'invitation et préfère partir travailler pour Softdisk en 1989. Au sein de Softdisk, Romero va créer le pôle Gamer's Edge. Il recrute John Carmack, Adrian Carmack et Tom Hall au sein de cette structure. En 1991, les quatre larrons décident de fonder leur propre société, ID Software. C'est là qu'ils créent le jeu qui fera d'eux des millionnaires, Doom. Si John Carmack a créé la technologie et le moteur du jeu, c'est à Romero que l'on doit le game design et une bonne partie des niveaux. Romero continuera de travailler chez ID jusqu'à Quake avant de partir créer encore une nouvelle société avec Tom Hall, Ion Storm. C'est là que l'ego de Romero commencera à lui jouer quelques mauvais tours. Romero était l'un des premiers développeurs de jeux à croire de toutes ses forces à la notion de contenu créé par l'utilisateur. Il déploya beaucoup d'énergie pour créer les outils permettant aux joueurs de concevoir leur propre niveau de Doom et leurs propres mods. Il avait peut-être un peu trop confiance dans les talents des fans. Lorsqu'il fonda Ion Storm, il recruta des map designers parmi les fans de Quake pour créer les niveaux de Daikatana. Mais ceux-ci s'avérèrent difficiles à gérer car peu préparés aux réalités du développement de jeux vidéo en tant que professionnels. Daikatana, parlons-en, sonna le glas de l'ascension fulgurante de Romero. Le jeu était bancal et mal fichu, et les frasques de Romero lui attirèrent l'antipathie des joueurs. Quoi qu'on en dise, cet échec fut salutaire car il obligea Romero à se remettre en question. Après la fermeture d'Ion Storm, John Romero mit de côté sa vie de rockstar du jeu vidéo pour réaliser des petits jeux comme Gauntlet, Seven Sorrows et Aria 51 pour Midway. Plus récemment, il a retrouvé le succès en tant que concepteur du jeu Facebook Ravenwood Fair qui compte pas moins de 25 millions d'adeptes. Bah, j'ai cherché, j'ai pas trop trouvé de poésie et de lyrisme pour lancer la rubrique sur les smartphones, mais je suis sûr qu'il y a plein d'amour et de poésie dans la rubrique smartphone que nous allons montrer tout à l'heure. Parce que nous l'allons montrer tout à l'heure, c'est les fables de La Fontaine, alors c'est un peu de la poésie, du lyrisme, de l'amour. Enchaîne Alexa, enchaîne, coupe. Le très sympathique jeu d'aventure exploration sous-marin Aquaria vient de sortir sur iPad. Pour rappel, ce jeu indépendant, grand vainqueur de l'Independent Games Festival 2007, a été initialement développé sur PC par Derek Yu et Alec Holoka. On y dirigeait une créature marine, Naija, qui, esselée et perdue, explorait Aquaria à la recherche de sa famille et de ses origines. Visuellement magnifique et doté d'une ambiance envoûtante devant beaucoup à ses musiques, ce titre mettait à profit des mécaniques de jeu originales. Pour activer ses pouvoirs, qu'elle redécouvrait au fil de l'aventure comme dans tout bon Metroid-like qui se respecte, Naija chantait. Elle pouvait ainsi changer d'apparence, mais également influer sur son environnement. Jouable à la souris ou au pad sur PC, Aquaria sur iPad propose bien sûr une toute nouvelle interface tactile, les développeurs avouant avoir également rendu l'aventure plus accessible en intégrant, par exemple, une minimap. Et pour la petite anecdote, ce portage a été réalisé par un programmeur installé au Japon, Andrew Church, qui avait épaté les deux créateurs d'Aquaria en développant tout seul dans son coin une version PSP non officielle de leur jeu. Résultat, ils lui ont proposé de réaliser la version iPad et il a dit oui. Vous voulez des chiffres qui font tourner la tête? Le développeur finlandais Rovio Mobile vient d'annoncer que son petit jeu, sorti en décembre 2009 sur iPhone, avant d'être adapté sur Android, Windows Phone, PSP, PSN et j'en oublie, vient de dépasser les 500 millions de téléchargements. Le demi-milliard, quoi. Un truc de fou qui fait rêver les développeurs du monde entier et l'industrie du jeu vidéo en général. Rovio en rajoute une couche en balançant d'autres chiffres, comme le fait que leur Angry Birds scotche chaque jour les joueurs sur leur portable ou autre plateforme durant 300 millions de minutes. En fait, depuis son lancement, il a été pratiqué durant un total de 200 000 années de jeu. De quoi donner le tournis à plus d'un oiseau. «
Fondé en 2010, le studio Eggball s'est spécialisé dans la réalisation d'applications mobiles et multimédia, d'advergames, de serious games et de sites web sur mobile. Mais il a également réalisé de nombreux jeux vidéo sur smartphone et écran tactile. Certains basés sur des licences connues, comme Amtaro, la plupart étant des créations originales, comme A Moon for the Sky ou encore le très beau Match 3, Woolly Factory. Patchworld, qui vient tout juste de sortir sur les plateformes iOS, fait partie des créations originales et s'adresse avant tout à un public jeune et plutôt féminin. On gère en effet le blog d'une jeune femme, Lexicut, passionnée de voyage. L'idée sera donc d'illustrer ces derniers en découpant des feuilles de papier afin de créer diverses animations souvent rigolotes. Le gameplay est simple, à l'aide de son doigt, on suit le tracé présenté, aussi précisément que possible, afin de découper une forme, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le dessin complet que l'on découvre avec un certain émerveillement sous la forme d'une petite animation. Patchworld doit énormément à sa direction artistique et à son interface tactile aussi soignée qu'ergonomique. Un peu simple, le gameplay se complique un tout petit peu via l'apparition de défis chronométrés où il faudra tracer une figure dans le temps imparti. Mais il est également possible de laisser courir son imagination pour créer des dessins totalement barrés. On notera aussi les très belles musiques composées par le collectif Yubaba, qui a déjà collaboré avec Eggball, mais également avec Arkido et Pasta Games sur des jeux comme Big Bang Mini et Maestro Jumpin' Music. Destiné aux Android 2.2, Wind Up Night est un jeu californien à mi-chemin entre Ghosts and Goblins et Mario. On incarne en effet un petit chevalier SD, rappelant quelque peu Hoon du dessin animé Jace et les Conquérants de la Lumière, qui avancera dans des environnements en 2,5D pour tenter de secourir sa princesse. Il pourra exécuter des roulades, sauter, réaliser un double saut, mais également des sauts muraux afin d'éviter tout un tas d'obstacles. Des ennemis seront aussi de la partie, d'où la présence d'un petit arsenal qu'il sera possible d'upgrader histoire de se défaire des poulets géants, des loups et autres gobelins à la solde du chevalier noir qui tenteront de vous stopper. En plus de ses armes et capacités physiques, notre mini chevalier, qui avance tout seul, pourra utiliser un bouclier pour se protéger en le hissant au-dessus de sa tête par exemple. Très joli et assez ambitieux, avec ses 4 environnements et sa cinquantaine de niveaux, Wind Up Night est téléchargeable gratuitement. Si tous les niveaux peuvent être débloqués in-game, les plus pressés peuvent décider de les acquérir moyennant une petite contribution financière. Mais sachez que le jeu, requérant un très bon sens du timing, devient rapidement très difficile. Bon, de la poésie, du lyrisme, de l'amour, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus pour lancer Auto, hein, présenté par la charmante Josodio. Non, c'était une vanne, c'est Caro. Qu'est-ce que vous êtes straight, vous, alors ? Bienvenue dans Auto. Cette semaine, vous aurez les annonces de concerts et on constate qu'il n'y a que peu de dates annoncées pour les mois à venir. Espérons que de nouveaux artistes soient annoncés bientôt. Mais on commence l'émission avec le live report du groupe The Fool qui faisait sa première tournée européenne en 2010. C'est le 4 décembre 2010 que le groupe de rock The Fool s'est produit aux Instants Chaviré à Paris. Après le concert, les trois membres ont partagé quelques moments avec leurs fans à l'occasion d'une séance de dédicace. ザフールのギタリストタカです。ザフールのボーカルのグンジです。はい、フルのギターやってます。ビッグです。今日のライブはいかがでしたか？あ、最高でした。はい。グレートでした。はい、最高でした。昔あのボーカルの軍司さんは、ギタリストをやっておりました。はい。で、ザフールを始めるにあたり、ボーカルに転向して、僕らと一緒にバンドを始めました。はい。皆さん実はギター以外の楽器もできたりとかしますか？ No。僕は全てできますが。No。できません。日本人からしたフランスのイメージってすごい上品でなんか厳かな感じが僕はしてたんですけど、実際はすごいエキサイティングで、すごいクレイジーなファンが多くってすごい楽しいです。スタジオで和気あいあいと
クレイジーな感じで撮りました。以上、Please vote, go motherfucker. Yeah, I'm sorry, man. B. Please vote, go the fucker. No. Please vote, go motherfucker. Yeah. Thank you, merci. にパワフルな日々をありがとうございます。もうとても満足してます。あと1日ありますけど、はい、全力で。また来ていただけますか、フランスには？もうぜひぜひ来たいです。呼んでください。Et si vous êtes fan du groupe, ils seront en concert en France dans les jours qui viennent, dont le 20 novembre à Paris au Beluchis. Attention, le lieu a changé, hein. Ce n'est plus au Star Café, mais bien au Beluchis. Les concerts avec Canon Canon qui seront en live le 15 novembre à Lyon au Marché Gare et le 16 à Paris au Divan du Monde. Notez aussi que le duo sera en dédicace à 14h au Virgin Megastore de Lyon le 15 et à midi à la Fnac des Champs-Élysées le 16. Ne ratez pas le 18 novembre la diffusion du 20th Anniversary Live de l'Arc-en-Ciel au CGR de Torcy. Un énorme concert de 2 heures basé sur les images des concerts du 28 et 29 mai au Tokyo Hachinomoto Stadium. Cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de coupure comme pour la transmission en semi-direct du mois de mai. La charmante Natchan aura dû attendre presque un an avant de retrouver ses fans français. Plus que quelques jours et ce sera chose faite. Natchan sera en concert au Toulouse Game Show le 26 et 27 novembre prochain. Sortez vos glow sticks! Lors de la même convention, il y aura aussi Loverine Tambourine, un unit composé de la chanteuse Aya et du musicien Akihiro qui nous viennent tout droit d'Hiroshima. Il semblerait que lors de leur concert, ils reprendront des thèmes célèbres tels que Dragon Ball ou encore Saint Seiya. On termine avec un groupe qui vient pour la première fois en Europe. Si vous êtes fan de métal, vous aimerez sans doute Bloodstained Child. Ils ne vont pas tarder à commencer leur tournée européenne et déjà 2 dates sont annoncées en France. Le 3 à Montpellier au Secret Place et le 4 à Paris au Divan du Monde. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur le live juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, de sacrées nouveautés, vraiment du mastoc. Nous aurons tout d'abord Saiki Anna, la grande reine du tango, avec Balada para un loco en live, bien entendu. Il y aura, attention, accrochez-vous, il y aura aussi du Balzac avec Swallow the Dark. Je sais que c'est déjà énorme, mais attention, il y en a encore de plus gros qui arrivent. Il y aura aussi Derlanger ou Derlanger, hein, je me trompe peut-être au niveau de la prononciation, avec Zakuro, un clip dans un cabaret. Et on voit qu'il y a eu du budget pour ce clip. Il y aura aussi donc le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et attention, accrochez-vous bien, il y aura Atali Kosuke, un de ses derniers clips, Kimi no Kakera, featuring Miyamoto Emily. Et d'ailleurs, c'est un tie-up puisque cette chanson est l'ending de Natsume Yujinsho, San, en fait, donc la troisième saison de Natsume Yujinsho, que nous connaissons en France sous le nom de Pacte des Yokai, donc une série géniale et un clip extraordinaire pour Atali Kosuke. Je compte sur vous pour voter pour le J-Top puisque ce J-Top va être vraiment dingue. J'ai hâte de voir les nouveautés entrer en rotation et vous esclaffer devant tant de beauté et de merveilles. On se retrouve la semaine prochaine dans Auto. Bye bye! Mes chers geekettes, mes bien chers geeks, c'est déjà la fin de ce 100% et il pleut en mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est donc cette langueur qui fait battre mon cœur? Mais c'est les bisous, ou c'est peut-être la pizza de midi qui... des bisous.